La création de l'Office de tourisme, en fait, c'est une idée qui n'est pas neuve malgré le fait qu'il existe depuis juillet. L'objectif principal, qui se décline après en différentes actions, mais l'objectif principal, c'est de pouvoir faire la promotion de la commune, en donner une image qui est peut-être un peu différente de celle qu'on peut voir dans les médias et qui est essayer aussi de donner une image qui est plus proche de la réalité de ce que vivent au quotidien les Onlésiens. Et donc les deux grandes missions finalement, elles sont assez simples, c'est à la fois de pouvoir être un élément d'information sur tout ce qui se passe sur la commune, ma collègue le dira peut-être mieux que moi, mais tout ce qui est information culturelle, information de loisirs, sportifs, on essaie d'être présent sur les événements. Nous étions au forum des associations par exemple, on a été présent aussi pendant les journées du patrimoine. Donc on a une mission d'information, une mission de service public, puisque nous sommes une association qui est initiée par la commune, donc nous avons une mission de service public, d'information et de conseil, et d'orientation. Et le deuxième champ d'activité, on va dire, c'est une activité qui relève plus du développement économique. Alors bien sûr, on n'est pas le service économique de la commune, on n'est pas une agence de développement, mais on est là pour favoriser le tourisme d'affaires, c'est-à-dire les personnes qui viennent sur la commune pour travailler, pour passer voir des clients, pour participer à un congrès ou un salon à Villepinte, au Bourget, à Paris Nord 2. Donc on est là pour mettre un peu une synergie entre les hôteliers, le tourisme d'affaires, enfin les salariés ou les chefs d'entreprise, et puis également le commerce local, c'est-à-dire ça peut être participer à une fête, enfin une journée commerciale sur la commune, ça peut être se mettre en rapport avec les commerçants pour savoir ce dont ils ont besoin, comment ils se situent dans la commune, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin de services, etc. Donc c'est aussi de l'accompagnement dans ce sens, dans le cadre de nouveaux services aux entreprises. Alors depuis l'ouverture en juillet 2013, on a reçu un peu plus de 700 personnes sur toute cette période, avec une très forte augmentation depuis qu'on est ouvert tous les jours depuis le 15 septembre. C'est essentiellement basé sur les activités d'Aulnay, puisqu'en vitrine on a mis tout ce qui concerne les activités culturelles, sportives qui se passent sur la ville. Après, on a des demandes de plans, il y a des gens qui rentrent pour nous demander des cartes postales. C'est assez diversifié au niveau des demandes. On a une collaboration avec toutes les salles de spectacle de la ville, Prévert, Le Cap, le Conservatoire de musique, toutes les expositions. On essaie d'aller les voir en amont pour pouvoir justement les promouvoir auprès de la population. Et on a un lien constant avec le service communication, de façon à avoir toutes les informations sur tous les événements qui se passent sur la ville.